Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui puisque j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. Courrier surprise, j'étais pas du tout au courant. C'est une carte, je pense, je l'ai pas encore ouverte, je vais l'ouvrir avec vous, de Frédéric, de Plaisir du Scrap de Fred. Et je voulais en profiter pour vous présenter du coup le micro que j'ai eu à Noël. Donc le voici, je suis branchée actuellement dessus. Donc vous devez remarquer que le son est un petit peu mieux et vous m'entendrez sûrement peut-être moins le ciseau qui tombe sur la table régulièrement. Donc là normalement le micro est un peu dirigé, donc ça devrait être de meilleure qualité. Je voulais vous présenter également ma scrap room puisque j'ai démonté le meuble îlot que j'avais. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai toujours mon étagère. J'ai mis la Cameo 4. Donc là, vu que le micro est loin, vous allez m'entendre un petit peu de loin. Et donc, j'ai démonté mon îlot parce qu'en fait, il prenait trop de place au milieu. Et comme des fois, on a des amis qui viennent dormir, on voulait pouvoir mettre un matelas. Donc, j'ai libéré la place. Et en fait, je peux poser plein de choses ici. Donc, je suis plutôt contente pour l'instant. On verra si je change d'avis dans le futur. Et je vous montre l'état de mon bureau puisque je suis en train de faire le mood board pour Julia. Donc ça, c'est un... test, vous voyez que j'ai des fois raturé puisqu'en fait j'ai fait un test pour voir déjà de quelle couleur j'allais faire, si j'allais utiliser le pochoir avec du rose en fond ou pas. Là le pochoir j'étais un peu déçue, il était trop foncé. J'ai testé de l'aquarelle d'action brillante, mais au final ça fait pas assez jaune pour une girafe comme ici par exemple. Donc là vous voyez le courrier de Frédéric que je vais ouvrir avec vous. Et du coup, je vais faire ça, je sais pas trop où, puisque vous voyez l'état de mon bureau. Hein. C'est juste incroyable le bordel qu'il y a. Donc j'ai sorti tous mes tampons. Enfin, je vous ai fait un petit reel si vous voulez aller le voir sur Instagram. Donc là, vous voyez la petite boîte ici. C'est toutes les vis que j'avais sur mon îlot. J'ai tout laissé là. Désolée, j'ai encore la crève. Donc j'ai été malade de début novembre jusque juste avant Noël. J'ai été tranquille pour Noël jour de l'an. Là vous voyez, il y a Ina qui veut sortir. Oui, tu miaules, tu grattes, très bien, on va te sortir, attends. J'ai été malade, enfin j'ai été justement guérie ces deux semaines-là. Et là, j'ai rechopé la crève. Donc c'est assez fatigant. Voilà, voilà. Donc je vais sortir Ina et du coup on va ouvrir ce petit courrier ensemble. Merci beaucoup, je sais pas encore ce qu'il y a dedans mais j'ai très hâte. Du coup je me suis installée ici. Vous voyez, j'ai mis mes perforatrices ici, etc. Je pose le micro à côté de moi. Et comme mon bureau est ultra occupé, on va ouvrir le courrier sur mon tabouret. Bien sûr je n'ai pas branché le téléphone sur le trépied, je le tiens à la main donc je vais... Ça va pas être possible. Je vais chercher le trépied tout de suite. Donc, j'ai migré. Regardez. Voilà, à côté du bordel. Mais au moins, je peux... j'ai mon trépied. Enfin, c'est pas un trépied, c'est un bras de caméra qui est ici. Et du coup, je vais pouvoir vous accrocher. Et on va ouvrir ce courrier ensemble. Alors. Là. La pelle, c'est pas dans la meilleure des positions possibles. Hop, on va refaire. Voilà, je vous retrouve dans l'autre sens. Ah là là, c'est pas pratique cette histoire. Donc, allez, c'est parti. Alors, c'est une carte de vœux toute mignonne. Merci beaucoup Frédéric. Alors, j'imagine qu'il y a un message derrière. Je vais le lire. Je regarde d'abord ta carte de plus près. Donc ici, tu nous as fait un tamponnage embossé en rouge, embossé à chaud. Je ne sais pas si on voit le reflet. Voilà. Avec une petite étiquette, avec des petits tirés, des petites encoches. Très mignon, avec trois petits strass ici. Et ici, un petit panier. On dirait un petit panier garni avec un petit gâteau. C'est un petit cadeau, n'importe quoi. Je mélange tous les mots. Là, les effets de la grossesse ne sont toujours pas partis. Trop la fatigue et le reste, voilà. Du coup, je lis ton message. Donc, je peux lire ton message, Frédéric. Merci beaucoup. Donc, tu me dis coucou, Aurore. Je te souhaite, ainsi qu'à ta petite famille, une très bonne et heureuse année 2023.
Par-dessus tout, une bonne santé, que cette nouvelle année t'apporte tout ce que tu souhaites. Gros bisous, Frédéric. Eh bien, écoute, je te fais également des gros bisous. Merci beaucoup pour cette carte, je ne m'y attendais vraiment pas. Et c'est vrai que là, ça fait quelques semaines que je ne reçois plus de courrier à la maison. Du coup, je comprends pas trop. Je me disais, bon, peut-être que il y a un problème avec la poste. Et du coup, je regarde la boîte aux lettres tous les jours, elle est vide. Et là, j'ai vu ça. Et franchement, tu me ravis. Je vais sûrement, même c'est sûr, je dis sûrement comme ça, mais c'est certain. Peut-être pas tout de suite, parce que vraiment, j'ai vraiment du mal à scraper, tu vois, à l'état de mon bureau, hein. Tout ce qui traîne avec, voilà. Je vais te répondre. Même si je suis pas très carte, je vais quand même faire un petit effort, rien que pour toi. Et du coup, merci, merci beaucoup pour cette lettre. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous m'avez bien entendu avec le nouveau micro. C'est la première fois que je m'en sers avec le téléphone. Je vous donne un petit avant-première. Je vous montre ici. Donc, j'ai utilisé du Action. Ici, c'est du l'encre et l'image. Là, c'est du. C'est le calendrier de l'Avent de Artbar Marlène. Ça aussi. Le pochoir, c'est du Scrap Didi de l'année dernière, calendrier de l'Avent. Ici. Encre et l'image, là j'ai testé du. J'ai testé du Artbar Mylène, mais ça n'allait pas trop, je trouve. Donc j'ai testé des colorisations, je voulais faire ça un peu rose et or, et en fait je me suis rendu compte que le or est beaucoup trop présent, donc il faut vraiment que je trouve une manière de faire. Donc je vais continuer à m'entraîner sur ce petit morceau-là pour faire des jolies colorisations. Donc ici on a dans mes pochettes, petit empennage dans mes pochettes, là on a du Coco Feeling. Artbar Mylène, Coco Feeling, ici c'est du Action, les étiquettes, Action, les animaux et le Julia. Les pochoirs triangles, c'est Action, pochoir rond, c'est Action, pochoir étoile, c'est Action aussi, mais je vais pas l'utiliser, je vais pas mettre de fond pochoir au final, même si je trouve que celui-là rend quand même bien au final. Donc ça c'est l'encre et l'image toujours, ici c'est du Action avec des petites feuilles, c'est du Sokai, les petites feuilles. Ici on a encore du Coco Feeling. Le nuage que j'adore, le l'arc-en-ciel, pardon, que j'adore vraiment. J'ai tenté de le mettre ici, je trouvais que ça n'allait pas, mais ici ça peut être pas mal. C'est du l'encre et l'image. Et du coup, voilà, je suis en train de faire ça. Je suis en train de me chercher niveau colorisation. Je vais essayer de colorer ces deux-là, même le petit oiseau, pour voir vers quoi je tends. Et je vous montrerai le résultat final, sachant que j'avais déjà commencé un test ici qui était vraiment pas concluant du tout. J'avais pas la bonne encre. Donc voilà sur quoi je suis en ce moment. Vous allez sur ma chaîne avoir des tutos. Beaucoup de zibulines, hein, parce que j'ai vraiment pas le temps de faire autre chose en fait. C'est fou, hein. Julien me prend un temps. Un temps dingue. Ses siestes sont très courtes. Les week-ends sont très courts aussi, du coup c'est compliqué. En tout cas, je vous retrouve pour cette année avec plein de nouveaux projets. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!